Oh mais virez-moi ça, mais qu'est-ce que c'est que cette poule sur le plan de travail là? Non mais ça va, oui? Bonjour les enfants. Par souci de continuation pédagogique. Continuation. Ce matin, ce sera cours de cuisine. Et pas avec n'importe qui. Guillaume Tirel, dit Taïwan. Parce que je taille devant. C'est mieux. J'ai fait mes armes chez Jeanne Desreux comme enfant de cuisine. Ayant été remarqué pour mes talents, j'ai fini maître queue chez le bon roi Philippe de Valois. C'est moi qui ai écrit le best-seller de la cuisine médiévale, Le Viandier. Oui alors, on dit viandier, il n'y a pas que de la bidoche. Hein. Parce que au Moyen-Âge, viande, ça veut juste dire à manger. La bidoche, c'est la chair. Parlons de chair, aujourd'hui, cul de chouette au verju. Un cul de chouette, c'est un cul de chouette. Du verju, on prend du verre, on fait du jus. Alors du verre, voilà. Dans le mortier, on jette. Les navets, de toute façon personne n'aime ça. Un peu de verre, du verre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est vert ça? Mais non, c'est une aubergine. Une aubergine, c'est pas vert. Hein? Allez, bazardez-moi ça, vous. Et voilà notre verju. Comme vous pouvez voir, c'est bien liquide. Donc, vous prenez une petite chouette. Vous pouvez manger, et là. Voilà. Alors, on y va. Enfin, d'abord, on va la plumer. Voilà. On va la plumer. Voilà. Maintenant qu'elle est bien plumée, on lui découpe. Comme ça. La marmite. Hop, dedans. Notre chouette étant bien tranquillement dans la marmite, le petit verju, où est-ce qu'on a mis le verju? Où est-ce qu'on a mis le verju? Voilà. On verse tout dans la marmite. On rajoute un peu de cervoise, parce qu'on met de la cervoise partout. On en boit un coup. Dans une jolie shop, hein. Ça c'est fabriqué par moi, c'est marqué dessus, made in Taïwan, voilà. Un navet, non, on a dit que personne n'amène le navet. Un peu d'huile. Et on met tout ça au four. Les enfants, voyons ce que vous nous avez concocté. Ah, c'est intéressant. Oui. Oui.
pense que c'est vin, quoi. Ouais. Je vais me faire un écureuil à la branche.